Salut à tous, c'est Indeday, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Evil Democracy 1932. Juste pour vous dire du coup que c'est les mêmes développeurs qui ont fait Evil Bank ou Evil Banker, je sais plus comment ça s'appelait. Mais voilà, c'était un jeu qui était déjà pas mal. Evil Democracy, je suis un petit peu moins fan, je vais pas vous mentir. Je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu moyennes, etc. Mais le jeu a quand même beaucoup de potentiel, je trouve. Si le développeur gère bien, je pense que ça peut vraiment être un super jeu. Donc on y va. Il y a plusieurs scénarios, il y a l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. Je vais pas prendre la France parce que si je prends un parti politique, on va me dire que je suis droite, de gauche, de centre, machin. Donc j'ai pas envie. Donc je vais prendre. Je prendrai bien l'Allemagne, mais je sais que Danfield a déjà fait une vidéo et a pris l'Allemagne. Donc on va prendre la Grande-Bretagne. Comme ça au moins on est bon. Alors on a les conservateurs, le parti travailliste, le parti libéral, le parti national. Peu importe le côté que je choisis, je vais juste prendre le parti le plus facile. Puisque je débute clairement sur le jeu. J'ai découvert le jeu déjà pas mal de temps. Ouh, l'Irlande du Nord. Les Irlandais, ils vont se prendre une dérouillée là, les pauvres. Mais ouais, du coup, ouais, c'est pas hyper évident comme jeu, je trouve, à prendre en main au début quand on ne sait pas trop y jouer. Donc on va prendre le plus facile. Là, ça, voilà, c'est centre droite. Mais ça aurait pu être extrême gauche, extrême droite, extrême centre. Je m'en fous de savoir quelle partie c'est. Voilà, le plus facile, c'est celui-ci. Et encore, je pourrais même prendre celui-ci pour aider tout problème. On va peut-être même prendre celui-ci. Un peu moins facile, mais au moins. Au moins voilà, je pense que du coup, au moins on n'a pas le départ le plus facile, mais un des plus faciles. On peut voir que ouais, j'aurais même pris celui-là, même peut-être plus, mais au final, partisan du parti, financement beaucoup moins. Donc on va prendre celui-là qui est plutôt pas mal. Je vais commencer avec 100K, pour commencer dès le début, je pense. Je vais pas commencer avec 1 million, ça va juste ralentir un peu notre, tout simplement notre départ, mais on va prendre le temps de faire les choses bien. Alors là on arrive ici, donc en gros il faut qu'on gère notre journal pour essayer de faire pencher la balance en notre faveur pendant les élections. Donc on y va, donc il faut que j'attribue un chef de poste pour commencer. Lui est bon partout, il est bon en charisme, il est bon en détermination, au niveau de croyance, au niveau d'éloquence. Du coup j'ai envie de le mettre en tant que chef. Mais en même temps je suis pas serein, donc je vais mettre là en édition pour commencer. Mais il va falloir déjà que j'embauche du monde. Alors, leader inactif, pour l'instant on va laisser tomber les leaders, mais il faudra déjà que j'embauche 3 journalistes. Alors, on va chercher peut-être même, allez, 5 journalistes. Non, allez, 4 pour commencer. Toi t'es bon en journal, d'accord, je prends. Toi t'es bon en prospectus en interview. Toi t'es bon en prospectus également. Et toi t'es pas ouf, donc on va en chercher encore peut-être 2 de plus. Toi t'es vachement bon en enquête, donc on va t'embaucher. Toi t'es bon en journal. Ah, j'ai plus assez de ressources. Ah oui, d'accord, je suis déjà dans la galère niveau team, d'accord. Très bien, alors on va aller dans les journalistes, on va laisser tomber. Du coup, je vais aller dans l'équipe éditorialiste. Alors, toi, qui est bon prospectus? Prospectus, c'est où? C'est là. Ouais, 7, 9. Ok, toi, tu seras bon prospectus, donc on va te mettre là-bas. Ça, c'est fait en journaux. Je sais qu'on a des mecs qui sont bons, voilà, parfait. Toi, je te prends. Toi t'es bon en enquête et toi t'es bon en prospectus et en entretien. Ouais. Du coup on va te mettre, allez, en journaux, tant pis. Je te mets là-bas. Ah, je peux plus, d'accord. J'ai pas encore les slots d'ouvert, d'accord, donc ça on verra un peu plus tard. En attendant, tu vas essayer de trouver du... Alors quel est le parti derrière nous qui... Parti conservateur. Donc on va essayer de s'en prendre en parti conservateur. Du coup tu vas... un journaliste trouvera du matériel avec sa processus de sélection, détection, ouais. Un journaliste rédigera un article qui nuira financièrement aux opposants. Ouais. On va essayer de s'en prendre aux conservateurs du coup, uniquement parce qu'ils sont premiers devant nous. Moi le reste je m'en fous un peu, hop, donc tu y vas. Toi à l'inverse, tu vas plutôt enquêter. Quoi que tu pourrais faire une interview à vrai dire. T'es bon ou pas en interview? Ouais, en enquête, t'es meilleur en enquête qu'en interview. Bah on va quand même essayer de t'interviewer, ouais, pour lui. Voilà, donc là il va nous faire une petite, on va dire un bon coup de com sur, j'aurais dû inverser en vrai, je vais inverser les deux. Toi t'es meilleur d'interview, donc tu vas interviewer lui. On y va. Quant à toi du coup t'es meilleur clairement en enquête, donc tu vas enquêter là-dessus. Voilà, là on est bon, donc là je vais, j'ai
un de mes journalistes qui va commencer à écrire un article pour interviewer notre bon vieux, notre chef de parti. Et on a quelqu'un qui va plutôt essayer à l'inverse, plutôt d'enquêter, trouver des choses un peu compromettantes sur un parti ennemi. Donc on va passer notre tour. Pour l'instant, on ne peut pas faire mieux. Alors on a des dogmes. En gros, c'est l'idéologie de mon parti de centre-gauche, les dogmes socialistes. Deuxième quand même, peut-être un bonus. Donc on va essayer de trouver des dogmes qui pourraient couler l'importance d'un individu, la vie d'une personne est primordiale. Moi je trouve ça normal, oui, la vie d'une personne c'est important, oui je suis d'accord. Réo c'est statut. Chef de parti, d'accord, le coût d'engagement de manifestation est augmenté de 7%, on va le faire, je le fais. Est-ce qu'on imprime maintenant ou pas? Allez, on va le faire. Quoique non, pour l'instant non, on va pas imprimer tout de suite parce qu'on n'a pas encore d'article. Ouais, eux sont en train de bosser tranquillou, on va avancer. J'ai un petit peu plus de thunes, ça fait plaisir. Ouais, je sais que tu veux que j'imprime un journal, mais pour l'instant on attend d'abord d'avoir des articles. Je pense que ça peut être sympa. Ah, il a déjà trouvé du matériel compromettant lui, direct. Ah, à chaque fois je clique là, mais c'est ici. Ouais, donc ils vont continuer à écrire tranquillou. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'embaucher des agitateurs. Donc en gros, il y a trois types de personnes. Il y a les agitateurs. Voilà, on va pouvoir... en gros, ils vont mettre un peu de... Alors, je vais en louer. Plutôt, on embauche un certain nombre. Si on embauche... Oula, oui, ouais, ça coûte de l'embauche 4 millions. Ouais, je les ai pas, ça va être compliqué. Enfin, si je les ai, mais ça va être compliqué. Je vais en embaucher peut-être déjà pour commencer à les 2000. Ça sera déjà pas mal, 2000. 2008, voilà, parfait. Je loue. Donc, on va aller directement sur la map. Donc, plan. Là j'ai des agitateurs. Donc les agitateurs en gros ils vont essayer de faire parler notre journal. Ils vont essayer de... Ouh d'accord. Les agitateurs sont partis là. Donc on va essayer de mettre 50%, donc 1000 dans toutes les régions. Comme ça voilà, ils vont faire parler un peu notre journal. Ils vont essayer de faire parler surtout aussi de notre chef de parti, etc. Et ensuite on va mettre le reste non occupé 0. Ah donc j'ai tout balancé. Ah oui j'ai mis 100%. Ah oui d'accord j'ai mis 100%. Mais c'est pas grave. On va dire que pour l'instant on est bon. Un chef de poste. J'en ai désigné un chef de poste. Ah oui il me faudrait aussi un trésorier assez rapidement. Qui est bon en quoi là? Trésorier. Ok. Toi t'es bon en quoi? En détermination. Toi t'es pas mal. 78 ouais. Lui il est pas mal, j'aime bien lui. Il est pas mal Hugh Dalton. Puis ça me fait penser à Lucky Luke donc ça me fait marrer. Là on va te mettre... Ouh il fait 90... Ouh 196. On va te mettre directement sur les sponsors mon pote. Hein. On va te mettre sur les sponsors là pour augmenter nos revenus. Ça va être important. Je vais même en prendre un autre. 118, 61, 60, 35. Ah oh, peut-être celui-là. Peut-être même un peu mieux. On va t'embaucher. Et 103 sur les sponsors. Là on est bon. Normalement on va augmenter aussi nos revenus par tour. Ça devrait être beaucoup mieux. On va passer notre tour. Parfait. Est-ce qu'on imprime ou pas? Ouais on a pas mal d'articles. Donc là on va imprimer. Alors on va hop sur les conservateurs. On va essayer d'augmenter un peu les paramètres de notre... Donc les paramètres, les stats de notre chef de faction. Et perte de budget, vas-y go, c'est parti. Là on est bon. On va faire un tirage, ouais. Hop là on va embaucher 510 promoteurs. On va faire un tirage optimal. On peut le faire, ouais. Ouais, donc est-ce qu'on le fait ou pas? Allez, tirage optimal, ouais, pour faciliter. Et j'imprime, voilà. Ah j'étais pas... Ah j'ai pas les sous. J'ai pas les sous. Ok d'accord. Alors juste ici on va réduire. Là on pourrait en vrai hein. Tirage optimal. Ah ouais ils me disent que j'ai pas assez de budget. Je vais imprimer à total, ouais. Donc ça c'est mort. Ok. Bon on va réduire un petit peu on va fermer ça déjà. On va passer un tour. Des monstres. Ah oui, on peut aussi faire nous des ce qu'on appelle des protestations, des grèves, des démonstrations, c'est un peu des meetings. Mais bon, d'ailleurs, genre, on embauche un autre leader. Ouh, toi, t'es pas mal. Ah oui, d'accord, j'ai pas assez d'argent. Ok, pour embaucher, dommage. On va passer notre tour. On va retourner dans notre bureau, ça serait pas notre quartier général. Est-ce que je peux faire un autre... Donc, mon journal est sorti, ça c'est cool. En impression, c'est plutôt pas mal. Et franchement... Ouais on est en train de perdre hein. On est clairement en train de perdre là parce que non on est parti travailliste donc ouais non on est deuxième. On est deuxième et je pense qu'on va peut-être pouvoir les rattraper. On est vraiment loin devant le parti libéral, la Natlib, la Natlab. Donc c'est vraiment la bataille avec les conservateurs quoi. Donc faudra faire attention. Hop, on a pas mal de budget, ça c'est cool. Vous voyez le budget augmente grâce aux sponsors.
Donc on va... leader, j'en embauche un autre. Quelqu'un de bon, charisme. Ouais, genre... Oh, toi, par exemple, toi, t'es super, je t'embauche. Trésorerie, c'est quoi qui joue sur la trésorerie? Ouais, bah écoute, tu vas nous faire carrément un gros... Voilà, on commence à gagner pas mal. Là, ça fait plutôt plaisir quand même. Alors, on a pas mal de sponsors. J'aimerais bien... Donc, dans deux tours, on pourra rééditer un journal, donc on va le faire. Hop là. Voilà, là, on est bon. On va ajouter un article. Je voudrais juste les défoncer. Voilà, là, on est tout bon. Tac, là, on est tout bon. Ça me paraît pas mal. On va optimiser le tirage. Et on paye. À chaque fois, j'ai pas assez de thunes pour optimiser le tirage. On va attendre un petit peu, du coup. Hop là. Là, je peux optimiser normalement. À chaque fois, elle me demande trop. J'ai pas optimisé à bas, elle me demande trop. On va se mettre comme ça, peut-être comme ça. On est bon, là, 1 million. Allez, on peut y aller un peu plus loin. Voilà, là, on est bon, je crois. Là, je crois qu'on est OK. J'ai imprimé mon journal. Ça va devrait normalement nous aider. On va aller dans plan. Donc là, les conservateurs en East Midland, il va falloir que j'en mette beaucoup plus. Ah, on est devant. Ici, on est devant. Au sud-ouest, on est devant. Là, ils sont carrément devant nous. Ouais, donc ils sont quand même beaucoup devant nous en vrai. Il faudrait beaucoup plus d'agitateurs. On va essayer d'en embaucher d'autres. Je vais en embaucher d'autres. Allez, on va déjà passer un tour pour voir ce que ça donne. Ensuite, je vais aller du coup dans le personnel. Je vais embaucher plus de d'agitateurs. On a pas mal de pognon. Je vais en embaucher peut-être, allez, 2700 de plus. Voilà, j'y vais là, je me fais plaisir. Je veux vraiment qu'on essaye un peu de redorer un peu notre image. Là, on gagne. Là, on perd. Ouais, on se prend dérouillé. Ok, donc on va aller ici, donc agitation. J'en mets très bien. Ouais, là, ils sont clairement devant nous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre genre 50% de ce qu'on a dans les 25% des régions les plus faibles. Voilà, là, j'ai reblindé un petit peu. Allez, hop, j'en revois même 50%. Là, on est bon, j'en vais les 3 quarts du coup. Qu'est-ce que ça donne? Et le reste, proportionnellement aux électeurs. Voilà, j'envoie tout le reste. Hop là, là on est bon, donc on va avoir un peu plus de monde qui devrait voter pour nous, etc. Donc qui devrait déjà au moins nous apprécier pour commencer. Donc là, on est tout bon. J'ai encore pas mal de pognon, donc on devrait être bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir gérer là? J'aimerais bien du coup ouvrir un nouveau slot. Ouais, j'aimerais bien ouvrir un nouveau slot. On va engager un autre journaliste. Prospectus, c'est pas ouf. Ok, j'en embauche un autre. En journal, il est bon. Là, lui, on va... Ouh, même en interview, il a 10. Ah ouais, il déchire, lui. Ok, il est vraiment bon. Bah, écoute, je vais te... Ça m'embête un peu, mais hop, je te mets là-bas. Donc, les journaux devraient être beaucoup mieux maintenant. On y va. On passe quelques tours. Ouais, je veux vraiment un gros budget, là. Donc, on y va. Et on va ajouter un article sur, voilà, notre leader, pour qu'il soit un peu plus apprécié. On y va, on imprime. Alors, moi, un truc quand même que je voulais... Alors, ça n'a pas imprimé. Ah oui, il faut que j'enlève ça. À chaque fois, ça me fait tout bugger, moi. De mon côté, 3,7 millions, c'est bien. Voilà. Là, j'ai imprimé. Normalement, ça devrait être bon. Du coup, je vais essayer d'embaucher peut-être un peu plus de... Bah non, déjà, non. On va changer un peu. Alors, c'est pas ici, c'est là. Toi, tu vas arrêter du matériel compromettant. Ce qu'on veut, c'est vraiment, ça y est, maintenant, l'image du parti. Ce qu'on veut, c'est vraiment l'image. On est sanctionné depuis le début... On va dire d'un point de vue purement chiffre, d'accord. Mais bon, ça serait bien aussi qu'on s'allie un peu leur image, ça pourrait être vraiment bon. Alors on passe 3 tours. Ok, donc ça c'est fait, on a réussi à l'avoir. Ensuite, travail obligatoire. Tout le monde est soumis au travail obligatoire. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. Maintenir la loi et l'ordre, ça nous donne quoi? Augmentation des bénéfices. Ouais, pourquoi pas. Le coût d'impression augmenté. Les fonds du parti ont augmenté. Non, je suis pas fan non plus. Protection de la région traditionnelle. Attire des sponsors. Ah oui, les sponsors, ça c'est bien, on a besoin. Nous perdons le soutien des électeurs réguliers. 1% du nombre total d'électeurs. Ouais. On va le faire parce que les sponsors, clairement, on a besoin. C'est ce qui augmente les revenus par tour. Hein. Donc plus on va avoir de dépenses, plus on aura besoin de bons sponsors. Donc on va être un petit peu obligé. Alors là, on va carrément faire un tirage optimal. Je valide l'impression. D'abord, il faut quand même des articles. J'ai failli oublier. Toi... perte de budget, et puis on va influence sur les électeurs, c'est plus 2. Ouais, pour nous du coup, je pense, hein. Pour nous, hein. Parce que là, j'ai pas envie qu'on les aide, nous, les gars. On va se mettre ça, et puis ça, voilà. Le prochain journal, ça sera uniquement sur vraiment tout ce qu'on a de bien. Faut vraiment qu'on améliore notre chef de parti. On y va. Alors là, on a quand même pas mal d'électeurs. Est-ce que ça avance ou est-ce que ça recule? Ça recule. Ouais, on perd pas mal d'électeurs. Donc là, va falloir qu'on prépare maintenant qu'on a un peu de budget. Pourquoi pas une manifestation? Ça pourrait être, je pense, hyper intéressant.
une bonne manif. Alors par contre, comment organiser, je me souviens même plus. Protestation, voilà. Fin de démonstration. On peut organiser, ça coûterait 2 millions, ouais. On peut organiser une grève carrément. À un endroit, il y a beaucoup de monde. Genre là, il y a 180 000 personnes. Là, j'organise une grève. Voilà, j'organise une grève. Donc on y va. Je reviens ici. Tac, je passe mes tours. Voilà. Bah déjà, on a carrément augmenté. Honnêtement, ça, la grève nous a fait du bien. On est passé de 16 à 17. Non, je crois qu'on a diminué. On était à 18, je crois. Ouh là là, on perd du monde. C'est pas grave. Imprimer l'axiome d'article. Ouais, on va le faire. Et puis, on va imprimer. Non, on va être bon. Je valide. Prochain tirage. Ok, ça c'est validé. On a 4 millions et quelques. Donc on va quasiment 4 millions et demi en fait, hein, pour être honnête. Du coup, j'ai envie d'aller un peu plus loin. J'ai pas mal de pognon. Les sponsors commencent à revenir. Du coup, je pense organiser encore une nouvelle manifestation. Je pense que ça pourra vraiment nous donner un coup de main. Ici, dans le sud. Dans le sud, il y a pas mal de... On est dans le nord, on est apprécié dans le nord. Mais alors dans le sud, pas ouf. À l'ouest, par contre, on est bien. Du coup, j'organiserai bien une petite... on le fait. Hop là. Donc là, ça nous a coûté cher. Je vais m'organiser encore la suite ici. Voilà, là, on est bon. J'ai plus de budget. Par contre, en vrai, ça va nous faire vraiment du bien. Vous voyez, on a augmenté à fond, là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Par contre, les sponsors, je suis pas sûr qu'ils kiffent vraiment ça. Le budget, par contre, revient. Ça fait plaisir. Alors, on va retourner ici. L'impression a été de nouveau un journal a été publié. Du coup, l'un est passé de 17 à 18. Par contre, le conservateur de 24 à 25, donc lui aussi progresse. Ça m'embête un petit peu. Alors là, on va essayer maintenant de reprendre un petit peu du poil de la bête, parce que là, les conservateurs, ils ont l'air quand même de bien nous mettre la raclée. Donc on va essayer de se la jouer un peu plus intelligent. On va aller dans les plans hautiers. Donc au niveau du York Number, on est quasiment kiff-kiff. Je crois qu'il faudrait un peu plus encore d'agitateurs. Je pense que pourrait bien faudrait un peu plus d'agitateurs. On va embaucher peut-être un peu plus de... Allez, on va en embaucher un peu des agitateurs. Je vais en prendre... J'ai combien? J'ai 5 millions de budget. Allez, je vais mettre... ouais, allez, quasiment 3000. Alors on se met 3000, hop, je loue. Ça va me coûter un peu cher, mais c'est pas grave. Les activistes, pareil, je vais en louer un petit peu. Enfin louer, en acheter, en embaucher plutôt. Revenez après embauche, ouais, après je vais être dans la galère. Donc allez, j'en loue quand même quelques-uns. Voilà, par contre faut se méfier, hein, parce que nos revenus certes augmentent, mais c'est compliqué. Alors plan, je vais mettre des agitateurs. Donc je vais mettre la moitié peut-être dans toutes les régions. Voilà, ou plutôt voilà, au niveau des électeurs. Et le reste, je vais mettre dans les 25% des régions qu'on le... Allez, c'est quoi 50%? Voilà, la moitié dans 25% des régions qui ont le plus faible pourcentage de nos électeurs, pour essayer de les aider. Et après, j'envoie la totalité directement dans le plus grand nombre d'électeurs. Voilà, pour qu'ils continuent à nous soutenir, parce que je sais qu'eux vont leur taper dessus. Là, on est plutôt bon. Ensuite, j'envoyais directement des activistes. J'envoyais directement tout dans toutes les régions possibles. Voilà. Là, j'en ai des activistes partout. C'est ça, je crois en avoir. Donc ça fait plutôt plaisir. Je pense que là on va peut-être s'en sortir quand même convenablement. En tout cas je l'espère. On va aller dans le quartier général. Alors ça donne quoi? Au niveau du nombre de tours. Tac, tac. Ok, impression on est bon. Tirage optimal, ouais bah écoute, tu vas y aller. Tu vas y aller. Voilà, tu l'imprimes, ça va être réglé. Il nous faudrait aussi, donc je vais attendre un petit peu. Hop, je vais essayer de récupérer un peu plus de pognon. Et je vais tenter de refaire des manifestations pour qu'on essaie encore une fois de se montrer un peu. Nous sommes le meilleur parti politique. Hey ! Ah oui, j'ai cru qu'on était passé premier, mais non, j'ai cru qu'on était... c'est juste dans les militants occupés. J'ai cru qu'on était passé premier, j'étais content. Je vous avouerai que j'étais assez content, mais non, ça va être compliqué. Prospect... Ouh, interview 11. Ah ouais, lui, il est bon en interview. Bah direct, toi, je vais t'interviewer... Ouh, alors lui il est devenu super chaud avec ça, ça c'est cool. On va interviewer Hugh Dalton. Donc au niveau des militants occupés, c'est nous qui sommes le plus haut level. On est les premiers, donc ça fait plaisir. On est les seuls d'ailleurs en avoir mis, donc ça fait plutôt plaisir. Alors au niveau des l'équipe éditorialiste, toi t'es en train d'interviewer le nouveau, donc ça c'est cool. Je pense par contre qu'il va me falloir absolument, et ça je ne rigole pas dans les protestations, il va me falloir absolument un leader. On va en embaucher un, quelqu'un de charismatique. Genre toi par exemple, t'es super bon, je t'embauche. Et tu seras bon uniquement pour ça. Donc hop, on va nommer un leader. Lors des rassemblements. Donc, hop, tu y vas. Là, on est plus que ok. Donc là, ouais, ça va vraiment booster nos revenus. Ah oui, d'accord. Là, on a plus du tout de...
On n'a plus tout de revenus, on n'a pas assez d'argent pour faire une grosse manifestation. Là, d'ailleurs, j'essaie de prévoir une protestation, ça coûte 10 millions. Mais j'aimerais bien faire une protestation directement pour essayer de toucher le maximum de monde. Peut-être même ici, ça pourrait être génial. Bon, pour l'instant, on va voir, on a déjà passé quelques tours. Il nous faut des sponsors, là. Je me dis que ça serait bien d'embaucher quelqu'un d'autre parce qu'il nous faut des sponsors le plus vite possible. Du coup, on va aller directement en équipe éditorialiste. Non, même pas, on va aller directement... Journaliste non plus. Je suis un peu perdu. Non, les leaders, voilà. Ouais, on a déjà deux gars pour les sponsors, donc ça va être compliqué. Et ben, je pense qu'on va... Hop, on se pose là. Encore deux tours. Et on pourra, voilà, impression, on est bon. Là, on va continuer à imprimer. On n'arrête pas. D'abord, j'ajoute un article. Donc toi, on va te glorifier un petit peu. Toi aussi. Et puis, on va toujours les défoncer un peu. Les prochains, ça va être ça, ça, ça. Et là, je pense qu'on sera bon. Je valide, j'imprime. Et hop là, prochain tour, c'est fait, c'est validé. On est en train de diminuer un peu en termes d'électeurs. Donc, faut qu'on fasse gaffe. Alors vite, il me faut surtout du budget, moi. Ouh, on a payé une blinde. Donc là, on est quand même remonté à 1 million, donc on est bon. Du coup, c'est quoi? Liberté de religion. Attire les électeurs. Ah ouais, ça par contre, c'est bien. 5% des électeurs réguliers de toutes les régions sont devenus... Ouais, c'est pas mal. On va le prendre, ça, c'est hyper important. On y va. Il nous reste 185 tours avant les prochaines élections, donc faut qu'on fasse gaffe. Donc budget 5 millions. Je valide. Je valide. Ok, donc là on a 10 millions. On va pouvoir être large. On est redescendu. Je pense qu'il faut qu'on paye les gens quand même au bout d'un moment. Donc on est bon. Par contre, on perd de l'argent. On perd de l'argent chaque tour. Ça devient un peu compliqué. Alors vite, on va attendre un nouveau dogme. Voilà, là on est ok, c'est validé. Alors c'est quoi? Asservissement de tous les autres. Les autres nations doivent obéir à l'Allemagne. Oula. Nous perdons soutien de nos électeurs réguliers, ça va être chaud. C'est quoi? Le chef de la nation prend toutes les décisions. Rehausse le statut de chef de parti. Ouf, de 200. Ah ouais, ça peut être énorme. Le salaire du personnel a augmenté de 5%. Ouais, non, on galère déjà niveau thune. La propriété collective. Attire les électeurs, nous perdons soutien de nos sponsors. Non, on peut pas se permettre ça non plus. Justice pour tous. Les salaires des grands chefs, entre guillemets, descendent. Votre personnel est prêt à mettre à sa sueur son sang et ses larmes dans la cause du parti. Salaire de chacun a diminué de 15%. Ça peut être vraiment bon. Allez, on va le faire. Parce que là, l'argent devient petit à petit un problème quand même. Donc on est bon. Je continue à imprimer. Je vais arrêter moi le fait que ça s'imprime tout seul à chaque fois. Comme ça, c'est moi qui décide de payer ou non. Alors là, on est bon. 12 millions. Ok, stop. On va pas imprimer tout de suite. On va carrément dans plan. Je vais tenter une protestation et pourquoi pas ici pour essayer de nous rehausser un petit peu. On y va, on paye, ouf, ça m'a fait mal. Mais oh là là, on est en train d'en perdre à fond là. Ah, vous voyez la différence, on a payé un truc et boum, on repasse à 4 millions. Là au moins on est vénère. Alors ça donne quoi? On va optimiser le tirage, voilà, pour payer maximum. Je valide, hop là, ça c'est validé. On a rebalancé encore un nouveau journal. Ça c'est cool, franchement je suis plutôt content de ce que ça donne pour le moment. Impression, on est bon. Équipe éditorialiste, ils sont bons. Toi, tu vas arrêter de l'interviewer, lui. Tu vas arrêter de l'interviewer parce qu'en vrai, il est déjà super chaud. On va essayer de level up Emmanuel machin parce que lui, en vrai, il sert juste surtout pendant les manifs. Donc, si on peut augmenter un peu son charisme, ça peut être vraiment bon. Ok, donc là, on est bon. Je valide. 4,5 millions, ouais, ça me coûtait la moitié, mais enfin les 3 quarts de mon argent, mais hop, on est bon. On gagne un petit peu d'électeurs à chaque fois. Bon, autant vous dire que c'est pas ouf. Alors, c'est quoi ça? Encore une fois, le pouvoir partant d'un élite attire 5% des sponsors. Donc ça peut être pas mal. Nous perdons le soutien de nos électeurs réguliers. Et bah, on va le faire quand même parce qu'on a besoin d'un peu d'argent. C'est quoi réformiste? Apporte des changements au pays grâce à des réformes. Ok. Le coût de manifestation a diminué de 20%. Ah ouais. Ok, je le fais parce que 20% c'est énorme. C'est surtout ce qui nous fait le plus changer. Niveau argent, c'est tout ça qui nous rapporte le plus. Ah ouais, tu vas. Arrête, donc on va attendre 4 tours. Et tu vas arrêter d'optimiser, hein, mon petit monsieur. Voilà, tu vas arrêter d'optimiser le tirage. Du coup, on va mettre quelques articles. Donc. Toi et toi et toi, voilà, on va vous mettre parce que pour le moment, on a des articles en trop. Après, on va déglinguer, je pense, dans le prochain truc, on va essayer, dans le prochain journal, on va essayer de déglinguer les conservateurs. Article prévu pour la prochaine édition, et bah ça va être réglé, ça. Puis ça, et puis ça. Voilà, là, on est bon. Je pense qu'on est ok. On va tenter d'optimiser. Non, même pas. Je vais mettre, allez. Je mets maximum. Ouais, là, c'est trop cher.
Enfin, non, on peut, mais il faudra qu'on embauche des promoteurs, je pense. On va le faire. 10 millions. Là, je valide. Ça nous coûtait super cher. Hop là. On a remonté un petit peu, hein, donc faut qu'on fasse gaffe quand même. Je passe 3 tours. Ouais, donc toi, tu vas me dégager. On va te remplacer par toi. Donc toi, on va te dégager. Et je vais juste déglinguer le parti. Influence sur les électeurs, c'est plus... Donc là, on est bon. Je vais vous déglinguer, les gars. Parce que pour moi, c'est pas normal que vous soyez aussi bon. C'est dommage parce que là, vous voyez, j'ai militant occupé. C'est très bien, mais j'aurais voulu voir autre chose. Si je gagnais ou pas. Donc par rapport à mon avancement. Les agitateurs pays de Galles, les électeurs. Moins 899, ouais. On perd un peu de monde. Et pourtant, on a mis des agitateurs, quoi. Donc ça continue un peu hard. On va valider. Du coup, à toi, on va t'imprimer. C'est combien de budget? 13 millions. 9 millions, oh, vas-y, je valide. Et là, hop, là, on gagne encore un peu d'électeurs, ça fait plaisir. Faut qu'on se dépêche. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Pourquoi pas des grévistes? Enfin, faire la grève, ça peut être très bien. Oh là là, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire. Il y a plus de sponsors par là. Là, il y a pas mal de sponsors. On va le faire là, je pense. Après, ils nous kiffent bien, donc on va le faire. Hop là, c'est validé. Regardez, attention, le nom qui va augmenter d'un coup. Boum. Voilà, on a gagné pas mal, ça fait plaisir. C'est hyper important de faire des protestations, etc. Des manifestations, c'est hyper important. Toi, on va te valider, 6 millions 1. Les articles. Du coup, on va apparaître te calomnier. On va augmenter les aptitudes de notre beau gosse là. Notre beau gosse Hugh Dalton. Et puis ça sera déjà pas mal je pense pour le prochain. On a perdu encore des lecteurs, pourtant on a publié un journal mais on les a perdus. Ah non, j'ai oublié de cliquer sur imprimer, c'est aussi pour moi, c'est ma faute. Voilà, tu imprimes, c'est validé. On a gagné un petit peu, ça fait plaisir quand même. Les sponsors commencent à nous rapporter, on est bon. On se sort un peu de la galère, je trouve économiquement parlant, ça c'est plutôt plaisant. Donc ça on l'a fait, ok. Le coût de ma manifestation diminue, c'est cool, on va augmenter les bénéfices. Oh, les fonds du parti augmenteront de 50% en 20 tours. Ça peut être vraiment cool. Et nous perdrons soutien des électeurs. Ouais, non, ça va être mort. Gaëtan entre les peuples. Attire 6% d'électeurs réguliers de toutes les régions. Ah ouais, ça c'est vraiment cool. Le coût d'un... Oui, d'accord. Donc on a diminué de 20% le coût des manifestations. Et là, on va l'augmenter de 7. Donc au final, on sera quand même gagnant. Je valide. Je vais juste mettre des articles sur ce beau gosse de Hugh Dalton. Voilà, tu ne t'arrêtes pas. C'est un peu Hugh Jackman. Un peu mon beau gosse. Donc je valide. Attention, le nombre. Boum. Ah, pas tant que ça. Là, je suis déçu, là. Je suis déçu. Je suis déçu parce que je pensais que ce journal allait vraiment nous mettre bien. Alors, on est reparti. 3... Ouais, on perd beaucoup d'électeurs. Là, il va falloir qu'on frappe fort, qu'on frappe haut et fort. On va diminuer ça. Ouais, 7 millions, ça m'embête un peu. Allez, 4 millions 9, déjà, c'est déjà pas mal. Ah, oh, j'ai même pas publié d'article. Alors, attends. On va valider ça. On va défoncer un peu. Ouais, j'ai vraiment... Là, j'ai merdé, pour le coup. C'est pas grave. On va valider quand même. Ouais, on valide. Et là, je vais frapper fort. Il nous reste 108 tours avant la prochaine élection. Alors, on va être dans les protestations. Et toi, t'as quand même pas mal de monde là. Et je crois qu'en plus, on n'est pas ouf, hein. On n'est pas bien dans l'ouest. Le pire, c'est dans l'est. Dans l'est, vraiment, on n'est pas bien du tout. Et je le fais. Et là, vous allez voir quand même. Attention, le nombre qui va augmenter d'un coup. Boum. Ça c'est plutôt cool. Ça fait plaisir quand même. On est bon. Je vais même continuer à protester un petit peu. Même si tiens, on va faire un peu la grève ici. Là on est valide aussi. Tac, je proteste aussi. On est bon. Ouais, j'ai pas beaucoup de budget par contre là. Quand même. On va le faire. Hop là. On est bon. Donc voilà, je pense en vrai, voilà, sincèrement, je pense que là on a fait plus ou moins le tour du jeu. Je vais pas aller jusqu'aux prochaines élections parce que sinon on va quand même. Ça va quand même devenir assez compliqué. Je vais mettre des articles. Yug et encore Yug, voilà, parfait, c'est toi que je veux level up mon petit bonhomme. Je valide le paiement, ça va imprimer, hop, le nombre augmente. En vrai, on arrive à se maintenir à un certain point, mais c'est pas incroyable non plus, ça m'embête un peu. Alors c'est quoi, description, soins de santé gratuits, éducation gratuite et soins de santé universels. Attire 6% des électeurs, le salaire du personnel augmenté, non, ça c'est non, ça on veut pas, surtout pas, c'est abusé. Les ennemis de la classe. Le concept d'ennemis de la classe, les serfs et la classe ouvrière sont au-dessus de toutes les autres classes. Ouais, non, je suis pas fan de l'idée. Le coût d'impression augmenté de 7%, augmentation des bénéfices. Non, je suis pas fan. Isoler les dissidents, isolement de masse de différentes parties de la population. Ah ouais, non, bah non, je suis pas fan non plus. En vrai, y a rien dont je suis fan quasiment, quoi.
Rehausse le statut du chef de parti, non. Non, c'est non. Description contre réforme. Rehausse le parti, non. Non plus, je suis pas fan. Pouvoir de classe inférieure, ça on l'a déjà vu. Bah j'ai pas envie d'accepter d'autres dogmes en fait, pour être honnête. J'ai pas envie d'accepter d'autres dogmes, mais il faut le faire. Ah je sais pas. Vraiment là je sais pas. Franchement, manifestation de 7%, je veux pas le faire parce qu'en vrai ça nous met mal. Ça, salaire du personnel qui augmente 5%. Allez, on va le faire quand même, tant pis. On le fait. Je valide. Il me faudrait un peu plus de budget. Voilà. On va imprimer un journal. On va... Youg, je vais continuer à augmenter et on déglingue un peu le... En même temps, des calomnies vers la concurrence. On est bon. Alors ça donne quoi, ça? Ça donne quoi? Là, on est bon. En évaluation 10, ouais. C'est pas oufissime. C'est vraiment pas oufissime. On va pas se mentir. C'est pas dingue. C'est vraiment pas dingue ce qui se passe. Bon, j'imprime quand même. Le maximum peut-être, allez, 8 millions. Pff, ouais, 8 millions ça fait mal. J'imprime quand même. Allez, on se fait plaisir. J'imprime. On a augmenté un petit peu nos électeurs. Alors ça donne quoi au niveau conservateur? Ah ouais, non mais conservateurs nous mettent une grosse dérouille en vrai. Conservateurs sont partout. Il n'y a que dans l'ouest ou dans le sud-ouest. Ah d'accord, avant nous kiffaient bien eux. Et puis maintenant, ouais là, ils nous dérouillent en vrai. Là clairement nous dérouillent. Ils sont bons partout les conservateurs. On va vraiment essayer de les défoncer maintenant. Je vais vraiment me concentrer là-dessus. Parce que pour moi, c'est vraiment plus embêtant. Ah, donc en vrai, les Écossais ne nous aiment pas du tout. À part l'Écosse du Nord. Sinon, au milieu, c'est mort. Et en sud-ouest et au sud-ouest, c'est mort. Donc, c'est compliqué. On va passer notre tour. Je vais tenter de revenir. Ici, j'ai 6 millions. Ouais, on va valider. Je vais arrêter d'imprimer des journaux pour le moment. Je vais arrêter d'imprimer un petit peu. Là, je vais faire un gros coup de com. Je vais tenter un truc ultime. Je vais voir si c'est rentable ou non. Je valide. Hop. Je voudrais essayer de faire une manifestation dans toutes les zones. Alors, on y va. On va aller dans plan. Agitation. Hop, on va faire une protestation. Ouais, ça coûte cher. Là, j'aurais juste assez pour deux. Ou alors, je fais des grèves partout. Mais ça va être moins bon niveau effet. Là, on va organiser une protestation ici, quand même. Je valide. Là, on va organiser une grève ici. Voilà, l'appareil et l'appareil. Voilà. Là, vraiment, je tape partout, attention. Ouh, on est passé à 5 millions. Donc, ouais, là, ça valait le coup. Franchement, je pense que ça valait le coup. Là, ça fait plaisir, pour le coup. Là, vraiment, j'ai tapé partout, en toutes les zones. Je pense que ça va vraiment nous mettre bien. Hop, je vais balancer des calomnies encore, comme d'habitude. Je vais tous les défoncer. Et dans le prochain article, ça sera Youg et Youg. Voilà, c'est vraiment lui qui est la tête d'affiche de notre parti, pour le moment. Ouais, je vais imprimer aussi. Je valide. Hop là, donc là on a monté à 5 millions, on est bon. Il reste combien de tours jusqu'aux élections? Je sais même pas. D'accord, là ils me mettent... je sais pas combien de tours j'ai eu jusqu'aux prochaines élections. Tant pis, c'est pas grave. Youg, on va valider, j'imprime. Tac, hop là. Je voudrais regarder où l'on est par contre au niveau de mes... donc on va retourner au quartier général, au niveau des leaders. Youg, t'as augmenté partout, sauf en vrai, sauf... ouais, si Youg. Mais non, Youg, il... Ah mais non, mais Youg, c'est mon gars pour les sponsors. C'est pas lui? Attends, depuis tout à l'heure, j'imprime, mais... enfin, je level up, mais pour... Enfin, pas pour rien, parce que ça me rapporte toujours plus de sponsors. Et le sponsor, c'est l'argent. Donc, c'est la vie, donc on va pas le faire. Tarif élevé sur les produits étrangers. Diminue le coût d'impression de 20%. Ouais, je suis pas fan. Et puis, là, ouais, ça va être compliqué. On va faire ça, parce que 5% d'électeurs réguliers. Donc c'est pas du tout mon délire, mais tant pis. Du coup ça m'embête un petit peu par contre. Alors je vais juste regarder comme au niveau des plans. On va aller dans plan. Protestation. Et donc c'est Emmanuel qu'il faut que je level up. C'est Emmanuel, mais oui, je me focus dessus, mais non. On va retourner ici. Impression, non, plutôt dans équipe éditorialiste. Alors toi tu vas arrêter et tu vas interviewer Emmanuel. C'est ce beau gosse qu'on va interviewer en fait. C'est carrément ce qu'on aurait dû faire. Toi tu vas arrêter d'interviewer l'autre et tu vas te concentrer peut-être sur... Oh, du matin, qu'est-ce que ça, processus. Et bah tu vas essayer de trouver vraiment des choses fâcheuses sur elle, sur lui. Tu vas essayer de trouver, même si t'es pas bon en interview, j'aurais peut-être te virer en plus. Bon, tu vas essayer de chercher un peu dans les enquêtes, on est bon. J'ajoute un article, on va... Emmanuel, voilà, c'est toi qu'on va level up, Emmanuel. Voilà, Emmanuel, c'est toi qu'on veut. C'est toi qu'on va level up, mon pote. T'as un peu la tête d'affiche et c'est toi qui est présent à chaque manif. Et les manifs, c'est ce qui nous rapporte le plus, donc on va le faire. Tac, tac, tirage optimal, je valide. 9,4 millions, ça fait mal. Mais je le fais.
Il nous reste 60 tours. Ouais. Emmanuel, comme d'hab, on valide. Et là, est-ce qu'il a été vraiment level up ou pas? Ah si, quand même, 90, ouais. Donc il a quand même level up un peu. Donc ça, ça fait plaisir. Ça fait quand même relativement plaisir. Je vais donc tenter un dernier. Donc je vais passer tous les tours. J'ai donc tenté un dernier gros coup de com' pour voir si je peux dépasser 5 millions. Et je pense que nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Honnêtement, là, on a clairement fait le tour du jeu. Je vais pas vous mentir. On en fait vite le tour. Je ne suis pas... j'aime bien le jeu, mais je suis pas non plus fan et passionné. C'est pas un jeu auquel je passerai 30 heures dessus non plus. Mais voilà, ça reste un jeu sympa, il reste cool. Moi je l'ai eu gratuitement en plus, donc je vais pas m'en plaindre, mais bon. Plan. Agitation. Non, protestation plutôt. Alors toi, je valide ici, parce qu'ici c'est vraiment là où on a le plus d'électeurs, donc c'est important de le faire. En plus ça a plus de charisme, donc ça, ça fait plaisir. Et toi, toi, je peux payer 9 millions là, ça me dérange pas. Et après, des grèves et des grèves. Ok, est-ce qu'on va pouvoir dépasser 5 millions? Oh, on a augmenté un petit peu. En vrai, ça nous a mis bien. Bah écoutez, je pense que... Ah, il reste 34 tours. Allez, vous savez quoi? Pour 34 tours, on va le faire. On va le faire ensemble. On va aller escalader jusqu'aux élections, voir qui a gagné. Je pense qu'on va se prendre une dérouillée, mais tant pis. On va quand même tout tenter. Je balance, voilà. On va tous les dents. Toi, tu dégages. Tu vas aller directement. Hop, on va vraiment essayer de déglinguer la concurrence au maximum. Prochaine fois, ce sera pareil. Tac. Et tac. Voilà, là on est tout bon. Enfin, sur les électeurs, c'est plus 2. Ah mais non! Quel ovni envers la concurrence! Oh, ah mais non, depuis le début, je suis pas du tout au train de les calomnier, je suis au train de les aider. Bah ouais, je suis au train de les aider. Oh, c'est pour ça qu'ils nous dégomment. Je suis en train de les aider. Ah ouais, j'avais pas compris. Ah ouais, donc en fait, attends, si je comprends bien. Équipe éditorialiste, toi tu arrêtes. Il faut faire des calomnies. Un journaliste trouvera du matériel qui sert à processus de sélection des électeurs. Ah mais oui. Oh, c'est sur moi que j'aurais dû le faire. C'est sur moi. Sur nous. Bah non, on peut pas le faire sur nous. Donc tu vois, je suis passé à côté. Non, je pense que finalement j'ai bon. Non, je me suis, j'ai paniqué pour rien là, non, je pense que c'est bon, hein. J'ai l'impression que c'est bon quand même, hein. C'est plus de... Bah, je pense que nous, on va avoir de l'influence, on a plus d'influence sur eux après ça, c'est pour ça, je pense. Ouais, non, j'ai eu peur. Alors, on va leur faire perdre un peu de budget aussi, ça peut être intéressant. Du coup, je valide. Tirage, on va faire hop, ça, comme ça. J'imprime, voilà, parfait. Je valide. On va vraiment jouer là-dessus maintenant, on va voir ce que ça donne. Chaque fois tu vas me faire un tirage optimal, voilà. J'imprime. Hop là, là on est tout bon. On est tout bon, il reste 20 tours. 20 tours avant les élections, on va voir ce que ça donne. On va ajouter un article. Emmanuel, tu vas continuer parce que Emmanuel c'est notre gars sûr. Ouais. T'es vraiment notre gars sûr, Manu. Donc on va recommencer. Hop, voilà, là on est bon. Je pense que là en vrai, on est bon. Ouais, il nous faut plus de monde là, je vais pas tout claquer en vrai. Bon, tu sais quoi, on va le faire. Ouais, on va le faire. Ok, mon gars sûr. T'as été mon gars sûr, alors vite, on y va. Ça donne quoi? Protestation, t'as 98. Ah ouais, toi t'es bien. Ok, on va se mettre pas mal de budget de côté. On va faire un gros coup de com' juste avant. Donc, hop, on va valider. Tac, ça me fait un peu cher, mais tant pis. On va valider le gros coup de com' juste avant. Vraiment, on va le faire juste avant les élections. Bien personnel, c'est quoi ça? Liberté d'avoir une propriété privée. D'accord, si tu veux, m'en fous, moi je vois pas le mal. Égalité politique, un poisson politique égal pour tous, d'accord. Augmente tes bénéfices de 15%, ouais. Le salaire du personnel augmente, non. Nous perdons les soutiens, ouais, mais en même temps on a des sponsors, donc je valide. Il nous faut des sponsors, hein, ceux qui nous rapportent le plus de thunes possible. On va leur faire perdre de l'argent, on va leur faire perdre de l'influence. Je valide. On va mettre un tout petit peu de budget. Voilà, un tout petit peu, histoire d'être tranquille. Tac, tac, tac. Tac. Ok, là c'est le moment jamais de taper fort, les gars. C'est le moment de taper fort. Donc on a réussi à réunir 15 millions grâce à nos sponsors. Donc protestation. Je vais protester là comme d'hab, c'est là où il y a le plus de votants. Donc c'est hyper important d'être là. Et après, une démonstration. Ici, il y a plus de votants. Ok, donc là on est bon. On a repassé à 5 millions et quelques. Je influence du parti, falsification, votre protection. On va essayer de falsifier un peu, hein. Essayer de voler les votes d'un autre parti, ouais. Je vais essayer de moins me protéger et plus de... On y va. Je dis ça comme ça, prochain tour. Résultat par pays. Ouais. Bah en gros, ils nous ont mis à dérouiller partout, hein. Ils nous ont vraiment mis à dérouiller partout.
Donc on a été deuxième en vrai. Hein. En vrai, on a été deuxième. Là, ils ont voté pour... Ouais, en fait, personne n'a voté pour nous au premier, quoi. Ah si, il y en a un, c'est Londres au nord. Ah, les beaux gosses, ils ont voté pour nous. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Mais ouais, on a un peu... C'est pas qu'on a perdu, c'est que voilà, vous n'avez pas... votre parti n'a pas pu prendre le pouvoir en Grande-Bretagne. Changer cours de l'histoire, ça sera plus compliqué que vous n'imaginez. Réessayez. Donc voilà, on a clairement terminé le jeu. Enfin, une des campagnes. Je pense pas avoir forcément tout capté en vrai. Je pense qu'il y a des choses que j'ai pas trop capté, mais bon, voilà, le jeu est comme ça, moi ça me fait kiffer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.